Bon, là ça va pas, y a un truc qui va pas, non. Non, parce que ce matin je me balade sur Twitter, tranquille, comme toujours. Et je vois quoi? Quand Kylian Mbappé portait le maillot de l'Olympique de Marseille dans sa jeunesse en 2007, même la caméra a du mal à y croire, ça voit flou. C'est bon? Tout d'abord, j'espère que vous allez bien l'équipe aujourd'hui, les Parisiens en particulier, ça fait quoi de voir ça? Peut-être que je m'enflamme, hein, peut-être que je m'enflamme pour rien. Et soi-disant que c'est venu à Paris pour le cœur, ça soutenait le Paris Saint-Germain, ça vient de Paris, et ça porte quand même un maillot de l'Olympique de Marseille. Alors ça a fait un petit peu scandale sur Twitter, certains disent que c'est photoshopé, certains disent que... Bah ouais, logique. À 7 ans, t'as forcément été footix. Je me suis dit, simplement, revoyant tous ces petits scandales qu'il y a eu autour des joueurs de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain, qui pour certains, ça dit souvent, ouais, ah, c'est mon club de cœur, je ferai tout pour celui-ci, alors que 10 ans avant, ça portait le maillot du club adverse. Et c'est là que ça a fait scandale. Là, avant de débuter, j'ai envie que vous m'en citiez quelques-uns en commentaire. Que tu sois parisien, marseillais, supporter de Carquefou, tu me le dis en commentaire. Ouah, scandale, ça demande des gros pouces bleus sur la vidéo. Bon, vous me connaissez, un désormais très très important pour faire avancer la chaîne YouTube. Donc lâche-moi ton gros like. Bon, et cette vidéo tombe plutôt bien, sachant que le Classico OM-PSG s'est déroulé le week-end dernier. Pour pas rappeler de mauvais souvenirs aux supporters marseillais. Retrouvons Morgan Sanson qui était très très confiant quand même avant le Classico, dans le sens où ça a balancé des faut porter ses coronesses. Sortir les coronesses sur le terrain. Chaman de monétisation, hein, quand même, je vais pas te la refaire. Mais il a pas menti, il les a vraiment sortis. Morgan Sanson, l'équipe qui, lors de la saison 2014-2015, ça joue à Montpellier, tu te souviens? Bah, y a cette photo qui est sortie sur les réseaux sociaux, on le voit avec un maillot du Paris Saint-Germain à la fin d'un five. Ça joue à Montpellier, pas de soucis, ok. T'as rejoint l'OM quelques années plus tard et tu te doutes les supporters parisiens, c'est pas con, la photo est ressortie. Là, tes supporters marseillais, tu veux qu'une chose, c'est une explication, Sanson? Bah, d'après lui, l'équipe, il a dit, c'était après un match contre Paris avec Montpellier lors de la saison 2014-2015, j'avais échangé mon maillot avec le Brésilien Lucas, le lendemain, je vais voir ma famille et mes amis, et j'avais mon sac de sport avec moi. On est allé faire un five, je n'avais pas de maillot, j'ai pris celui-là alors qu'il était sale, je l'ai mis et j'ai joué avec. Ouais, non, tu me dis en commentaire. Plus récemment, ça a peut-être fait moins de bruit dans le sens où, bah voilà, Lucas n'est plus joueur du Paris Saint-Germain, il rejoint les Spurs de Tottenham. Mais en juin 2018, Lucas fait apparition sur les réseaux sociaux avec un maillot. Un maillot qui fait fortement penser quand même à celui que l'Olympique de Marseille avait porté en 93. Celle-ci, qui, oui, si t'as pas le quid Jordan, tu sais très bien que c'est pas le maillot de l'Olympique de Marseille, bah a créé un mini buzz sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Twitter. Bien sûr, le lendemain, Lucas qui met un petit tweet. Les gars, c'est juste un maillot Adidas. Voilà. Là, on en tient une très très belle, les Parisiens, ça vous rappelle sûrement quelque chose, Dimitri Payet, aka celui que l'on ne voit nulle part d'autre qu'à l'Olympique de Marseille, encore plus aujourd'hui puisqu'il fait la une de l'équipe. Je ferai tout pour ce club, mais il y a quelques années, l'équipe, son destin aurait bien pu être différent puisque lorsqu'il évolue à l'AS Saint-Etienne, il était allé jusqu'au bras de fer avec ses dirigeants pour rejoindre le Paris Saint-Germain, ça ne s'est pas fait. Et la suite, bah on la connaît. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Tout simplement ça, l'équipe, un snap avec un supporter, on le voit avec le maillot du Paris Saint-Germain. Plutôt ancien, ouais. Sponsor Thompson, tu sais que c'est pas le Qatar. Bien sûr, ça n'a fait parler qu'une fois qu'il a rejoint l'Olympique de Marseille. Quand t'es sélectionné avec l'équipe de France, ouais, je sais que c'est bizarre, t'as vu Adrien Rabiot, tu comprends pas trop. T'es forcément aimé de toute la France. Enfin, j'espère. Tu sois supporter parisien, supporter marseillais, tu supportes le groupe. Et ben voilà, cette photo de Adrien Rabiot avec un supporter marseillais. Voilà, c'est pas maillot sur les épaules, mais ça tient quand même l'écharpe, hein. Tu la vois la main là, regarde. Geste de sympathie. Comme Payet ou encore Sanson, Florian Thauvin, désormais, qui avant de rejoindre l'Olympique de Marseille, bah le Paris Saint-Germain, c'était possible aussi. Petite toffe avec la berline, le flocage Flotov et le numéro 45. Maillot, bien sûr, du PSG. Bon, ce qui est bizarre en l'occurrence, c'est que cette photo a fait tout le tour des sites parisiens. Mais on sait pas réellement si c'était lui. Tu peux me donner ton avis en commentaire. Enfin, pour terminer, l'équipe, un petit peu différent de tout ce qu'on a pu voir jusque là. Mais je voulais en faire un petit clin d'œil. Thomas Meunier, tu sais que sur Twitter, ça aime liker à peu près tout type de choses. On l'a vu avec le dernier Classico. Disons que ce tweet, c'était pour se rattraper de l'année dernière. Ah, tu te rappelles ce like sur le tweet d'un tifo de l'Olympique de Marseille? Moi, je suis objectif, pas supporter du PSG, certes. Mais ça aime simplement un tifo superbement bien réalisé. En revanche, certains Parisiens, non, ça passe pas.
Voilà, simplement le petit clin d'œil. Bref, voilà l'équipe. Putain, je me suis toujours pas remis de cette photo d'Mbappé en 2007. Mbappé avec un maillot de l'Olympique de Marseille. Bordel. Enfin voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait kiffer. Je compte sur vous, c'est le cas, pour m'éclater cette barre de like. Dites-moi en commentaire si selon vous cette photo est réelle. Et ouais, c'est possible. T'es foutu que ça, des fois, quand t'es petit comme ça. Ou si elle a simplement été photoshopée. Dis-moi aussi en commentaire ce que t'as pensé des différentes photos des différents joueurs de l'Olympique de Marseille, du PSG, mis dans la vidéo, tout simplement. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao.